Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors, on a terminé finalement sur la poursuite de la séance de la semaine dernière, puisque malgré une ouverture en légère baisse, le CAC 40 donc a poursuivi ici le mouvement en direction de la résistance des 5171. Nous allons voir que il s'en est fallu de peu, puisqu'après un plus haut à 5170.96, pour une extension à 5171.05, le CAC 40 clôture à 5168.54 et gagne 0,3% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Donc on a vraiment, pour un dixième de point, on peut considérer ici qu'on a atteint l'objectif donc qui a été donné par une extension de Fibonacci donnée ici sur la phase de consolidation, et que l'on commence à tester ici cette zone des 5175 points. C'est une zone de résistance. Nous pouvons considérer que ce test est déjà entamé. Alors, avec du point de vue des indicateurs techniques, on a ici une dynamique qui reste haussière sur le MACD. Le RSI confirme en se rapprochant de sa zone de surachat. Alors, on a des volumes nettement inférieurs à la moyenne. Ceci est dû notamment au fait que Wall Street était, que c'était férié aux États-Unis et au Canada. Malgré tout, on a un petit mouvement haussier qui continue donc sur la lancée de vendredi et qui confirme le fait que l'on ait réintégré ici le trend, même si désormais nous pouvons considérer ici que le support oblique est beaucoup moins significatif qu'auparavant. Toutefois, nous avons des bons niveaux ici sur des zones horizontales, avec notamment la zone ici des 5102 points qu'il va falloir surveiller. Et donc cette fameuse zone des 5175, dont le test devrait techniquement déboucher ici sur une rupture de ce mouvement. Et d'un point de vue moyen terme, le signal sera intéressant, puisque on a vraiment ici sur cette zone énormément de points techniques. On avait eu donc l'ouverture ici de ce gap qui avait été comblé. On avait ensuite retrouvé ici ce niveau comme résistance sur cette phase-là. Et puis après, on avait connu donc un mouvement baissier qui nous a emmené entre les fêtes ici sur ce point bas significatif, sur le support majeur des 4570, avant de connaître le rebond dont l'objectif ici vient d'être touché actuellement. Donc c'est vraiment sur cette zone que tout va se faire. On avait ici une zone à 5248 points qui était une zone majeure sur la précédente phase ici et qui avait été testée à de nombreuses reprises ici en tant que support. On l'avait franchi initialement suite à un gap qui était resté non comblé dans l'immédiat. Donc on est vraiment sur des zones techniques importantes. Et tout commence avec cette zone justement des 5171.75. Je rappelle, 5171, c'était l'extension de Fibonacci de la précédente phase de consolidation, donc plutôt un objectif court terme. Et donc on a ici un point horizontal moyen terme qui va lui aussi avoir de l'importance. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller. Et d'un point de vue court terme, et notamment sur les zones de support, on a ici une zone à 5085, zone de point haut ici qui a été résistance intermédiaire. On a aussi cette zone-là du point haut qui avait été repris par la suite à 5117 points. Ce sont des zones mineures, mais qu'il va falloir surveiller. Tant que ces zones ici sont préservées, et notamment la zone majeure ici des 5052, on peut s'attendre ici à une rupture des 5175, qui en cas de cassure, libérerait énormément d'énergie et nous donnerait un signal de retournement de la dynamique moyen terme qui serait totalement neutralisée par rapport à la configuration que nous venons de voir. Donc pour demain, on surveillera dans un premier temps ici la zone 5117, 5000 ici 120 pour le support oblique, si on sait maintenant qu'il est beaucoup moins significatif. Une rupture haussière donc nous enverrait un signal technique assez puissant, et puis niveau d'invalidation de toutes ces anticipations plutôt haussières, ici une rupture baissière des 5052 points. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue un peu plus statistique, alors nous avons une probabilité avec un peu plus d'occurrence aujourd'hui et ça reste plutôt haussier pour demain, puisque nous avons une probabilité donc à partir du niveau d'ouverture d'évoluer à la hausse, cette probabilité étant évaluée à environ 54%. Par contre, c'est un peu plus partagé pour les jours suivants, donc les statistiques détaillées arriveront avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit.
Voilà, passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.